Ok, ici, bon, voici l'image de, bon, l'image, pas l'image originelle, RVM. Et nous allons voir comment accéder à la bourse. Comment est-ce que nous allons accéder à la bourse? Ok. Comme je l'avais défini, la bourse est une institution financière. Ok. Donc, c'est à travers sur cette page que nous allons visiter les étapes de la bourse. Okay. Comment accéder à la bourse? Ici, voilà comment se présente la bourse. Et pour accéder à la bourse, il faut se rapprocher d'une SGI, c'est-à-dire une société de gestion d'intermédiaires, et qui avec elle on passe une convention. Et après la convention, on fait un dépôt, un premier dépôt. Et à la suite de ce premier dépôt, on fait des versements réguliers. Les montants que vous pouvez choisir, par exemple, moi j'ai décidé de déposer chaque fin du mois 20 000 francs sur le compte, sur le compte, mon compte titre. Et avec ces 20 000 francs, je paye. J'achète mes actions, j'achète et je fais et passe les transactions. Ok. Ici se présente le tableau, surtout la plateforme de ma SGI qui est Brick Security. Alors, comment est-ce que se présente? Okay. Vous voyez là, en suivant le curseur, ici, ce sont les sociétés qui sont cotées là. Les sociétés qui sont cotées ici. La société, environ une cinquantaine de sociétés, bon, qui sont cotées là. Okay. Et. Ok. Donc, c'est comme ça, nous avons le cours du jour. Le cours du jour qui vacille. D'un moment, d'un temps à un autre, d'un temps à un autre. Ok. Ok. Donc, nous avons le cours du jour. Ici. Ici, comment se présentent les logos des sociétés. Ici, comment ça se présente. Et en cliquant ici, on fait ressortir. Le portefeuille. C'est de ça qu'il s'agit, de ce portefeuille, mon compte. Aussi, ça contient les sociétés sur lesquelles j'ai pris des actions. Nous avons Air Liquide, BEA Niger, CFA Côte d'Ivoire, Coral Siemens Côte d'Ivoire, Onatel Burkina, Aura Group SA au Togo, Sicable Sucre d'Ivoire et Vivo Énergie, si c'est BEA Niger. Ici, nous avons les quantités des actions. C'est les quantités des actions. Ici, c'est les actions que j'ai achetées, qui sont en caisse actuellement, que j'ai achetées, qui sont acceptées, validées, qui sont en caisse. Et ici, c'est les quantités disponibles. Les quantités disponibles. Ici, on a 50, 50, 50, 51 actions ici, 151 actions, plus les 10, ce qui va faire ici
161 actions. Et quand cela validé totalement, ici, on aura 161 actions. Ça, c'est le coût moyen pondéré. Le coût moyen pondéré, ce qui est là, avec la société RS, Air Liquide, le coût moyen pondéré est de 218 francs l'action. Le coût du jour est de 875 francs l'action. Et les plus-values sont de 759, c'est les plus-values qui sont là. Ok? Ça, c'est les, bon, les pourcentages de pondération. Ici, on a le montant défini, définitif. Ok, voici comment se présente le portefeuille. Et en bas ici, le total du portefeuille, les liquidités, les plus-values, le montant total, le montant général. Okay. Donc, nous allons parcourir ça, bon, c'est de bref. Et nous aurons des vidéos détaillantes pour la prochaine fois. Là, c'était pour vous présenter comment est-ce que se constitue. C'était pour vous présenter la plateforme. Et après, nous allons passer aux éléments suivants. Aux éléments suivants qui est comment, quelles sont les stratégies qu'il faut pour acheter, vendre. Ok. Merci.